On va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 11 au 17, en sachant qu'on va avoir une pleine lune le 15 septembre dans le signe de la Vierge, qui va vous demander de vous organiser dans tous les sens, de faire attention à votre santé, de faire des check-ups, de regarder si tout est tip-top dans tous les aspects, afin de pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord? C'est super important pour cette période, puisque apparemment c'est une période où c'est soit vous souffrez avant et vous êtes heureux après, soit vous souffrez, donc faites attention. Cette semaine, on va utiliser le tarot du divin, l'oracle de monologie pour l'énergie de la pleine lune, l'oracle de l'énergie de la lémurie, l'oracle de la prophétie des étoiles pour un conseil ou plusieurs. Donc, n'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne la prenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guidera mon calendrier. Et vous aurez 4 types de rendez-vous au choix, carrière et finances, amour et couple. Lecture générale avec 7 questions de votre choix et lecture les 6 mois de prédiction pour savoir ce qui se passe dans les 6 mois à venir, voir quel type d'énergie viendront vers vous afin de mieux les gérer. Vu que c'est une lecture générale, les rôles peuvent être inversés. Dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des gens. Donc vous pouvez très bien être une femme et dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou un homme dans l'énergie d'une reine, donc de réception. Ne vous accrochez pas aux signes, surtout pour les personnes qui s'accrochent aux signes solaires uniquement, parce que c'est trompeur, d'accord? Je peux parler, il y a certaines cartes qui sont associées à certains signes, mais ça ne voudra pas dire que je parlerai de ce signe-là en particulier. À part, bien sûr, si toutes les cartes du même signe sont sur le tapis, ça voudra soit dire que cette personne a ce signe-là en solaire, ou que c'est une personne qui a très fortement ce signe-là dans son thème. Et d'ailleurs, vous avez un lien qui n'est pas sponsorisé dans la description, qui vous guidera donc à faire une plateforme, pardon, qui vous permettra de calculer votre thème afin de connaître vos placements et de regarder les vidéos qui vous intéresseront et avoir une vue beaucoup plus globale de ce qui se passe en vous et autour de vous. Bien sûr, si l'histoire ne vous parle pas, vous êtes libre de fermer la fenêtre et d'aller voir sur notre chaîne de tarot pour voir ce qui se passe ou de revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse. Et si l'histoire vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même. Ne vous placez pas toujours en tant que victime, puisque ce n'est pas forcément le cas. Des fois, nous sommes des acteurs du karma qui vient vers nous. Il faut simplement l'accepter, tirer des leçons de ce qui s'est passé et, on va dire, faire en sorte de ne pas recommencer les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Et si vous êtes la personne qui a été victime de ce que je vois, pareil, vous acceptez ce qui s'est passé, vous en tirez des leçons, vous guérissez afin de ne pas retomber dans le même panneau et avancer de façon positive dans la bonne direction. Ok ? Faites vos choix judicieusement. Ok, donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la pleine lune du 15. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune du 15 pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour la pleine lune du 15? Ok. Les réponses que vous cherchez ou dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Pleine lune en Gémeaux. Ok. Faites attention quand même aux illusions, puisque Gémeaux, c'est quand même à double face. Mais apparemment, vous allez avoir des réponses que vous souhaitez par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Ça ne me dit pas grand-chose, mais bon. Peut-être que, ouais. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie de la semaine du 11 au 17? C'est une pleine lune. Et Gémeaux est géré par Mercure aussi. Ok. Puisque la pleine lune sera en Vierge et les Vierges sont gérées par Mercure. C'est peut-être lié au niveau de la communication, au niveau de quelque chose que vous souhaitez, une certaine stabilité, ou une certaine abondance, ou quelque chose de matériel, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 11 au 17 pour les lieux? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 11 au 17 pour les lions? On a le soleil, l'as d'épée, très bien, l'étoile et le hiérophant. Waouh! Ok, 3 arcanes majeures et un as. Le soleil, réussite, succès ou la lumière qui a été faite sur quelque chose, c'est votre carte. L'as d'épée,
victoire ou perte aussi, ou la lumière qui a été faite sur quelque chose aussi, l'étoile, la perte de quelque chose, Verseau, ou à regarder l'espoir et le hiérophant qui parle de mariage, de quelque chose de conventionnel, de traditionnel, du signe du taureau. Donc on a lion, taureau, Verseau. J'ai l'impression que ça parle peut-être d'un mariage, de quelque chose. Vous êtes lié à quelque chose de traditionnel ou de conventionnel, ça peut être un mariage ou une entreprise. Et il y a une certaine lumière qui a été faite. Vous perdez quelque chose. Vous gardez l'espoir. On va voir. C'est quoi le sun pour les lions? La lune. Waouh, la lune, les étoiles et le soleil, c'est qu'est-ce que. Ok, donc le soleil, ça a été clarifié par la lune et le roi des deniers. Stabilité. Le roi des deniers, en général, c'est quelqu'un de sûr. Quelqu'un sur qui on peut dépendre. Quelqu'un qui. Ouais, qui a une stabilité, quelqu'un d'ancré, pas quelqu'un de très spirituel ou émotif, mais c'est quelqu'un d'ancré sur qui on peut compter. Et la lune, cancer, peur, les choses qui sont cachées. Il y a quelque chose qui a été mis à la lumière là, des secrets. C'est quoi la lune? C'est quoi la lune? Le 5 d'épée, d'accord, c'est bien ça. Les 5 d'épée et la tempérance. Il y a quelque chose que vous voyez. Soit vous disputez énormément avec quelqu'un, soit il y a quelque chose que vous voyez qui crée peut-être une certaine instabilité mentale et vous essayez d'avoir de la patience, ou sinon si vous avez affaire à un signe du Sagittaire où vous êtes protégé. Mais il y a une chose qui a été mise à la lumière. C'est quoi le 5? Le diable, relation karmique, le roi de coupe. Le diable, c'est Capricorne, le roi de coupe, c'est signe du cancer, poisson, scorpion, cancer. J'ai l'impression qu'il y a une certaine personne, une relation karmique dans laquelle vous êtes. Vous voyez très bien ce qui se passe maintenant. Vous essayez d'avoir, vous faites en sorte d'avoir de la patience, mais vous êtes avec soit un Capricorne, soit une relation karmique, ou sinon avec le diable et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous manipule énormément émotionnellement. Quelqu'un qui est doué pour dans la manipulation émotionnelle. Mais c'est une relation karmique, et avec le 5 d'épée, soit vous disputez intensément avec cette personne, soit. Non, vous vous disputez énormément par rapport à des choses qui ont été mises à la lumière. Trop de secrets. Tempérance, le 5 d'épée. Quelqu'un qui est soit du signe du Capricorne, cancer, ou quelqu'un qui est très intense. Quelqu'un qui. C'est une personne qui. Vous, peut-être que vous la connaissez, vous êtes marié avec, ou peu importe, mais vous savez qu'il y a beaucoup de secrets, vous le sentez. C'est une personne qui vous manipule énormément émotionnellement, et maintenant vous voyez réellement qui elle est. Par contre, avec la tempérance, vous avez de la patience, vous êtes protégé. C'est quoi la tempérance pour les lions? Les 7 de coupe, illusion, faire ses choix judicieusement. Faites attention. Maintenant que vous voyez réellement qui est cette personne, faites attention. C'est quoi? La tempérance. Le 3 de coupe et l'as de bâton. Maintenant que vous voyez réellement qui est cette personne, ou sinon c'est que vous le ressentez, faites attention à ne pas rester dans l'illusion, à ne pas vous laisser aveugler par la passion, parce qu'on a le 7, on a l'as de bâton qui parle de passion, d'un début passionné, d'un début créatif, le 3 de coupe qui parle d'une entité tierce, et le 7 de coupe qui parle d'illusion. Donc faites attention à ne pas vous laisser aveugler par la passion ou par quelqu'un qui vous met dans l'illusion. D'accord? Une personne qui a peut-être la patience. Ou sinon, c'est simplement vous qui voyez réellement qui est cette personne. Et c'est pas forcément cool ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que si vous êtes marié avec quelqu'un et que vous voyez que cette personne vous a menti, ou vous êtes en couple de façon traditionnelle avec cette personne, vous voyez que cette personne vous a menti et vous a trompé, vous allez discrètement faire pareil, c'est-à-dire laisser cette personne dans l'illusion, croire que tout va bien, vous allez voir ailleurs, vous allez avoir un début passionné. Et du coup. Vous laissez les choses telles quelles. Ça, j'ai l'impression que c'est pour les personnes qui sont mariées depuis longtemps, des personnes qui ont déjà des enfants ou qui sont mariées depuis longtemps. Vous faites ce que vous avez à faire sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit, mais vous voyez réellement avec qui vous êtes peut-être marié. Vous voyez que cette personne a beaucoup de secrets. C'est quoi le roi de denier, le 2 de denier? L'as de denier, la reine de bâton.
Si vous êtes en couple avec cette personne, ou si vous êtes associé avec quelqu'un, que ce soit au niveau d'un couple ou d'une relation ou d'une entreprise, c'est une personne qui est avec vous simplement pour les finances, pour l'échange, le flux, l'abondance. Quelqu'un qui aime bien être le centre du monde, reine de bâton, lion, bélier, sagittaire, c'est une personne qui est avec vous simplement pour les finances, que ce soit une relation amoureuse, une relation de travail ou autre, mais c'est une personne qui aime bien être le centre d'attention, quelqu'un qui aime bien être vu, qui aime bien tout ce qui est apparence. La reine de bâton c'est quelqu'un d'assez dur, dans le sens où elle peut passer par des situations difficiles, mais on le verra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle aime garder les apparences. C'est quoi l'énergie entre la reine de bâton et le roi de deniers? On voit que le roi de deniers, c'est vous, même si vous n'êtes pas un signe de terre, vous êtes abondant et prospère. Le 6 de coupe, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et le 3 de bâton, c'est une personne avec laquelle vous manifestez, vous créez quelque chose, une personne avec laquelle vous avez peut-être eu des enfants, vous avez créé quelque chose, et vous, le lien qui est entre vous, c'est que vous avez construit des choses, vous êtes liés d'une certaine façon par rapport aux choses que vous avez manifestées, une maison ou autre. J'ai l'impression que là, je parle à des personnes qui sont en couple, et un peu comme les personnes qui sont en couple et qui restent juste pour les enfants, qui restent juste parce que voilà, ils ont la maison ensemble, ça fait 20, 30, 40 ans que vous êtes ensemble, à quoi bon changer, mais vous allez voir ailleurs de toute façon l'un ou l'autre. L'as des épées, le 2 de bâton et le 5 de coupe. L'as d'épée, c'est une vérité qui a été dévoilée. Avec le 2 de bâton, il y a une personne qui est instable, qui n'arrive pas à prendre une certaine décision, qui ne sait pas quoi faire. Et le 5 d'épée, à mon avis, la vérité qui a été faite, ça fait qu'il y a une personne qui est dans le pessimisme et la dépression. C'est quoi le... Pourquoi on a le 5 de coupe? Ok. Le 3 des épées, cœur brisé. Il y a une personne qui a... Il y a quelque chose qui a été mis à la lumière. Une personne qui a le cœur brisé, ça peut être vous inversement, mais j'ai l'impression que c'est un signe d'eau ou un signe d'air. Pas forcément, mais une personne qui est dans cette énergie-là. La vérité, la chose qui a été mise à la lumière, il y a une personne qui en a honte peut-être. Ou une personne qui a le cœur brisé par rapport à ça. C'est quoi le 2 de bâton? Le 10 d'épée. Indécision, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine trahison, ouais. Il y a quelqu'un qui va voir ailleurs, ou il y a quelqu'un qui a trahi une autre personne. Il y a une chose qui a été mise à la lumière. C'est quoi cette chose? Je ne sais pas exactement, peut-être qu'on va le voir. Peut-être que ce qui a été mis à la lumière, c'est que vous êtes en couple, vous êtes en association avec une personne qui vous utilise simplement pour la stabilité financière, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quoi la trahison? C'est quoi le 10 d'épée? Le roi de bâton? Ambition? Quelqu'un qui a foncé? C'est votre énergie aussi. Sagittaire en général, mais c'est une énergie de feu. Jugement. Il y a des lions qui se sont réveillés, qui voient les choses telles qu'elles sont. Vous êtes peut-être discret sur ce que vous faites, mais vous faites ce que vous avez à faire, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui voient les choses pour ce qu'elles sont et font simplement ce qu'ils veulent, sans se soucier de ce que l'autre personne veut. Pourquoi? Parce que l'autre personne l'utilise d'une certaine façon pour les biens matériels. Si vous êtes marié ou si vous êtes associé avec quelqu'un, vous gardez l'association, on va dire, pour... le m'as-tu vu, ou parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les décisions, mais vous faites ce que vous allez voir ailleurs, ou peut-être que vous avez une autre personne en couple, ou vous travaillez avec une autre personne, mais j'ai l'impression que c'est une relation qui vous a peut-être blessé, parce que c'est une trahison extrême, mais vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. C'est quoi, jugement? Ou sinon, c'est une affaire en justice aussi, mais ça vous bloque pas, jugement, ne plus être le 3 de bâton à l'envers, ne plus investir chez cette personne, et cette personne, c'est la reine de bâton. On avait le 3 de bâton tout à l'heure, et la reine de bâton, et je vous ai dit que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui vous utilise simplement peut-être pour la stabilité. Peut-être que vous restez avec cette personne, pour certains, vous allez passer en justice et ne plus investir chez d'autres, pour d'autres personnes, si ça fait trop longtemps et que vous avez envie de vous prendre la tête avec les formalités administratives et les jugements, etc., vous restez avec cette personne pour l'apparence, mais vous n'investissez plus, vous manifestez plus chez cette personne. Vous n'attendez plus rien de cette personne. Et cette personne, c'est possible qu'elle ait le cœur brisé, qu'elle soit déçue. Si c'est une reine de bâton, qu'elle fasse un tas de cinéma, un tas de pleurs, un tas de gna gna gna, pourquoi ça m'arrive. Mais c'est très bien ce qui s'est passé, la reine de bâton. Ça peut être un homme ou une femme, mais c'est une énergie féminine, donc... l'étoile. Le 7 de coupe. Le 6 de bâton. Le 5 d'épée, la lune et le chevalier de bâton. Ouais. L'étoile, c'est une personne qui a perdu la bataille. Parce que l'étoile est juste au-dessus du 5 d'épée. Perdu la bataille. Vous allez vers la victoire.
J'ai l'impression qu'il y a des lions qui... Vous êtes en couple, vous êtes associé à une personne, c'est encore ça, parce qu'on a le 7 de coupe, le 6 de bâton, le 5 d'épée, la lune et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assez instable, quelqu'un qui est génial, agréable, mais c'est pas une personne sur laquelle on peut compter. Énergie de feu, surtout Sagittaire, quelqu'un d'assez frivole. J'ai l'impression qu'il y a certains lions qui... Si vous êtes, j'ai l'impression que c'est une énergie de relation amoureuse ou de couple. C'est-à-dire que vous avez vu ce qui s'est passé, vous voyez qui est réellement la personne avec laquelle vous êtes, que c'est pas quelqu'un sur laquelle, une personne sur laquelle vous pouvez compter. J'ai l'impression que cette personne et vous avez eu une discussion dans le sens où maintenant cette personne se rend compte qu'elle vous a perdu. Elle vous a perdu dans le sens où vous gardez les apparences mais vous allez voir ailleurs et cette personne le sait. Vous avez le choix, vous allez vers la victoire et secrètement vous allez voir ailleurs. Et la personne qui vous a perdu, ça peut être un Verseau, ça peut être quelqu'un qui a un signe d'air ou une reine de bâton. C'est une personne qui est blessée maintenant. Pourquoi? Parce que... Pourquoi elle a perdu? C'est quoi le 5 d'épée? Parce qu'une vérité a été dite et elle a peut-être du mal à l'accepter. Accepter de... J'ai l'impression qu'il y a des lions qui se sont réveillés, qui voient la personne pour qui elle est réellement. Cette personne, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe, mais c'est quelqu'un qui vous utilise pour les apparences, qui vous utilise pour les finances. C'est une personne qui n'accepte pas que la vérité soit mise à la lumière, mais vous la voyez. Vous... Fait, c'est une personne qui vous a perdu. Vous allez voir ailleurs sans rien dire. C'est quoi la lune? Le monde à l'envers et la mort. C'est en cours. Vous allez voir ailleurs. C'est la fin d'une situation. La mort, scorpion, le monde, scorpion, verseau, sagittaire. Il y a. En fait, c'est un peu comme si vous étiez entre deux mondes. Vous gardez les apparences avec une certaine personne, quelqu'un qui est d'un signe de feu ou quelqu'un avec qui vous avez une association, mais émotionnellement ou autre, pour vous, c'est terminé, vous allez voir ailleurs. C'est pas encore la fin d'un monde, dans le sens où vous êtes toujours lié d'une certaine façon, mais c'est la fin, dans le sens où vous renaissez. C'est assez discret, en fait. C'est pas visible, mais la personne avec laquelle vous avez une association, avec laquelle vous êtes en couple, le sait et vous le savez. Par contre, le monde... Ne le sait pas. C'est peut-être pour ça qu'on a le monde à l'envers, dans le sens où les gens qui sont autour de vous ne savent pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe en réel, c'est que c'est la fin, la relation, elle est terminée. Vous gardez juste les apparences. Et vous avez le choix avec le 7 de coupe, vous avez beaucoup de choix. C'est une certaine vengeance. Pas forcément une vengeance, mais une victoire, parce que c'est une personne qui vous a utilisé de toute façon. Le 4 de coupe. C'est une victoire pour vous dans le sens où ouais, c'est une personne qui vous a utilisé pour votre stabilité ou pour un certain statut, pour vos finances. Et avec ça, le 4 de coupe, c'est une personne qui perd l'opportunité d'être réellement avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas réellement avec vous, elle était avec vous pour les finances ou un certain statut. Vous en avez marre de cette personne et votre victoire, c'est que maintenant vous avez le choix et vous allez voir ailleurs de façon secrète. C'est quelqu'un qui voulait garder les apparences, donc vous gardez les apparences, on va dire. Mais c'est pas quelqu'un qui. C'est pas. Elle sait qu'elle n'a plus rien à attendre de vous dans le sens où ça peut se terminer du jour au lendemain. Si un jour vous en avez marre, vous décidez de divorcer ou d'arrêter votre association, vous allez le faire. C'est une personne qui sait qu'elle vous a perdu, qui garde les apparences et tout. C'est un peu comme, voilà, c'est un peu comme par exemple la tasse. Elle est remplie, mais comment dire? Imaginez que la tasse soit vide. Les gens ne savent pas que la tasse est vide, mais vous et la personne avec laquelle vous êtes en couple ou la personne avec laquelle vous êtes associé, vous savez qu'elle est vide. Donc, pour les gens, la tasse est toujours remplie et pleine d'abondance et de joie, mais vous savez très bien qu'il n'y a plus rien dedans. Et cette personne le sait aussi, c'est limite, voilà, vous. C'est juste pour les apparences. Le hiérophant, c'est quoi pour les lions? Donc, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. C'est soit il y en a certains qui ont déjà vu ce qui se passe, soit il y en a qui vont voir ce qui se passe et qui vont prendre la décision de ne plus investir ou de plus gérer, en fait, de garder les apparences comme cette personne le souhaite, et puis basta. Apparemment, c'est ce qu'elle voulait, non, la personne. Donc, on garde les apparences. C'est quoi, jugement, le hiérophant? Il y en a qui vont divorcer. Hein. Il y en a qui vont divorcer ou se séparer d'une personne. Le jugement, le 9 d'épée, le valet d'épée et l'impératrice. C'est peut-être une personne à laquelle vous êtes en couple, une figure maternelle ou quelqu'un qui est du signe du taureau, puisqu'on a taureau, taureau, balance. Mais c'est une situation où cette personne vous surveille énormément, cette personne est dans la culpabilité, le stress, quelqu'un qui a peut-être honte aussi de ce qu'elle a fait par rapport à une décision que vous prenez. C'est une figure maternelle ou sinon c'est quelqu'un qui est... C'est quoi l'impératrice? Alors attendez, parce que celle-ci. C'est quoi l'impératrice?
L'impératrice, c'est bien sûr, c'est elle qui vous a perdu. Ça peut être taureau, balance, ou simplement quelqu'un qui est lié à vous d'une certaine façon, concernant une certaine abondance, les enfants, l'argent. L'impératrice, c'est la personne qui vous a perdu. C'est une personne qui vous surveille et qui est dans le stress, qui a honte d'elle-même. Jugement, c'est quoi votre décision? C'est quoi jugement? Bon, on a vu ce que c'est, mais bon, on va clarifier quand même pour la forme. C'est quoi jugement pour les lions? Le diable et le roi de coupe. Vous voulez, ce qui se passe, c'est quoi? T'as voulu me manipuler émotionnellement, si tu sais que très bien que c'était une relation qui était karmique, tu m'as utilisé, la décision, ça va être, je vais faire la même chose en fait. On va faire semblant pour la forme. Tu as ce que tu souhaites, dans le sens où tout le monde nous voit ensemble. On a peut-être un certain compte en commun ou une maison ensemble, mais c'est tout ce qu'il y a en fait. Pourquoi? Parce que c'est une relation karmique et que tu m'as manipulé. Vous avez simplement retourné, fait la psychologie inverse, dans le sens où c'est une personne qui vous a manipulé pendant un certain temps, parce qu'avec le diable Capricorne, c'est lent, donc ça veut dire que c'est long, ça fait longtemps qu'elle vous manipule avec le signe d'eau. Et maintenant, vous voyez vraiment ce qui se passe. Vous manipulez cette personne, mais sauf que la différence, c'est que vous lui renvoyez ce qu'elle vous a fait, mais pas de la même façon. Dans le sens où vous lui faites savoir. Il y en a certains qui vont rester discrets, mais il y en a certains qui vont faire savoir à cette personne que, ok, tu m'as manipulé pendant un certain temps. On va faire ce que tu veux, certes, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien entre nous, ça sera juste de l'apparence, juste du m'as-tu vu. La décision que je prends, c'est que j'ai vu ce que tu as fait. On va garder les enfants, on va garder la maison, on va garder le compte en commun, etc. Mais ne me compte plus sur moi pour rentrer à la maison à l'heure. Je rentre à n'importe quelle heure, je fais ce que je veux. Ou si c'est une relation de travail, vous savez ce qui s'est passé et vous montrez à cette personne que vous gardez juste l'apparence de l'entreprise ou autre, mais vous êtes déjà en train d'investir ailleurs. Waouh! Et vous êtes fixé sur vos objectifs. Le 9 d'épée, c'est peut-être quelque chose qui vous a blessé aussi, ouais, le 9 d'épée. C'est que cette personne, avec le 9 d'épée, c'est cette personne qui est stressée maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle est obligée de maintenir les apparences pour le monde. Il n'y a rien de pire que ça, de voir qu'on est obligé de faire semblant pour le monde, mais en vérité, on sait qu'à l'intérieur, c'est vide, et c'est une personne qui vous surveille beaucoup. Sur les réseaux, si vous êtes pas ensemble, ou qui maintenant regarde tous vos moindres faits et gestes. C'est quoi, qu'est-ce qu'on a concernant l'énergie de la lémurie pour les lions? Allez, donc je ne m'attendais pas à ça, bravo les lions. Je ne dis pas que ce que vous faites c'est bien, à part si vous êtes sincère avec cette personne et que vous lui faites savoir, ok, voilà ce qui se passe. Si vous n'êtes pas sincère, ce n'est pas tellement bien, faites attention à votre karma. Par contre, si vous êtes sincère et que vous lui avez dit à cette personne, je sais très bien ce que tu as fait, maintenant voilà ce qui va se passer, la personne elle a ce qu'elle veut, nous. Les apparences, l'argent, la maison, etc. Mais vous allez voir ailleurs et voilà. La meilleure des choses que vous puissiez faire, par contre, c'est de toujours dire la vérité. C'est-à-dire, pour ceux qui disent la vérité, tant mieux. Par contre, ceux qui vont faire les choses derrière, je ne dis pas que la personne ne mérite pas ce qui lui arrive, mais pour pouvoir vous préserver du karma, dites toujours ce que vous faites. Surtout si vous savez que c'est quelqu'un qui vous a manipulé, dites plus que vous savez ce qu'elle a fait, que maintenant, voilà. On fait juste semblant, mais moi, j'ai autre chose à faire. J'ai quelqu'un d'autre à voir, j'ai quelqu'un qui me respecte ou quelqu'un d'autre avec qui je souhaite investir, plus toi, mais toi et moi, on va garder les apparences juste pour la forme. Comme ça, cette personne sait ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, et tout le monde écoute, entre guillemets. Sans me compter, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de coupes, donc il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est ça qui est dingue. Mais bon, apparemment, il y a des personnes comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a concernant l'énergie de la lémurie pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Relier les mondes. Ok. 41. Le message, alors les mots-clés sont visionnaire, architecte du futur, information d'autres mondes, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver, information d'autres mondes, relier le visible et l'invisible, l'inspiration, encensement d'une nouvelle terre, traverser différents états de conscience, donner naissance aux idées de la réalité subtile, voyager. Le visible et l'invisible, les choses qui étaient cachées ne le sont plus. Alors, vous êtes le pionnier de votre vie. La voie à suivre peut être indiquée dans vos rêves ou vos visions. Vous pourriez trouver utile de partager l'écriture automatique ou le dessin intuitif pour capter certaines des informations les plus lucides. Soyez créatif et ne vous fiez pas aux opinions des autres. Il est temps de penser et de faire des choses
les choses autrement. Après tout, comme le dit le dicton, la véritable folie consiste à faire la même chose encore et encore en s'attendant à un résultat différent. Ouais, il y a des choses que vous ne faites plus. On ne peut plus vous arnaquer maintenant. Il y a quelque chose que vous avez vu et c'est terminé. Et il y en a qui sont déterminés, qui sont dans l'énergie du lion. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a concernant la prophétie des étoiles pour les lions? Recherche le fabuleux. Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume des étoiles dans tes yeux et guette-le partout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vie si bénéfique, si créateur. Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur, qu'il en soit ainsi. Qu'il soit en toi, pardon, et tu le percevras hors de toi. Pourquoi j'ai dit qu'il en soit ainsi? C'est définitif. Il y en a certains, parce que qu'il en soit ainsi, quand on a terminé une prière ou un rituel, c'est-à-dire que ça soit fait, en fait. Que ça soit comme ça et pas autrement. Il y en a qui ont pris une décision définitive, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Même si qu'il soit en toi, ça ressemble à qu'il en soit ainsi, mais c'est sorti sans même que je m'en rende compte. Il y en a qui ont pris une certaine décision et qui sont fixés. Avec le hiérophant qu'on a eu, ça part de quelque chose de fixé et de têtu. Et c'est comme ça et pas autrement. Donc bon, pour certains lions, essayez d'éviter de faire les choses en cachette, d'accord? En général, le soleil et l'as d'épée, c'est une victoire ou la perte de quelque chose aussi, mais quelque chose qui a été mis à la lumière, d'accord? Quelque chose qui a été caché, parce qu'on a eu la lune, les étoiles, on a eu beaucoup de secrets, beaucoup de noirceurs. Les choses ont été mises à la lumière. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas faire comme la personne qui vous a trahi, cacher des choses ou être dans la même énergie. Vous dites à cette personne que vous savez très bien ce qu'elle fait et que vous allez voir ailleurs, basta. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à pas faire ça, c'est tout. Et puis c'est tout, après, on sème ce qu'on récolte, hein, d'accord? Donc s'il y a quelqu'un qui vous a manipulé émotionnellement, qui c'était une relation karmique, maintenant vous voyez réellement la personne pour laquelle elle est. Apparemment maintenant vous avez le choix d'aller voir ailleurs, puisqu'on a eu le 7 de coupe et c'est ce que vous faites. Mais le mieux, c'est voilà, soit vous terminez ce qui s'est passé, soit vous faites en sorte que si vous êtes en couple ou dans une relation conventionnelle, vous avez des enfants et des liens comme une maison ou ce genre de choses, vous faites comprendre à cette personne, ok, tu sais quoi, ça fait longtemps que tu me manipules, je vois ce qui se passe, je vois que tu me manipules ou que tu es avec moi pour les finances ou pour un certain statut, d'accord, on va garder le statut, par contre pour ce qui reste du sexe ou des émotions, etc., moi je vois rien. Au moins vous êtes clair et vous gardez l'apparence, vous gardez le beau papier, le papier cadeau que tout le monde peut voir, si c'est ce que cette personne veut et puis basta. De toute façon, au bout d'un moment, ça finira par se terminer parce que ben, ça doit être insupportable de rester comme ça. Et quoi qu'il y en a qui peuvent rester dans des situations comme ça pendant un certain temps, mais ça doit être compliqué à vivre. Mais voilà, faites votre vie, d'accord? Surtout si c'est quelqu'un qui vous a manipulé, faites ce que vous avez à faire. Si vous devez vous séparer, séparez-vous. Mais si vous allez voir ailleurs, faites en sorte d'être clean et propre, d'accord? De dire les choses très clairement. Il n'y a rien de mal à garder le statut, on va dire, si financièrement ça vous coûte cher un divorce parce que vous allez devoir payer certaines choses. Beaucoup de personnes le font, là, beaucoup de personnes, c'est des célébrités, des personnes qui ont de l'argent le font. On garde le statut, on garde l'apparence, mais je vais voir ailleurs. Mais soyez franc aussi avec la personne vers laquelle vous allez pour vos besoins sexuels ou pour commencer une nouvelle relation. Ne cachez pas le fait que vous êtes toujours marié ou ne cachez pas le fait que vous avez toujours un certain investissement. Si vous changez d'entreprise, ne cachez pas le fait que vous avez toujours, ne cachez pas le fait qu'il y ait toujours un lien d'une certaine façon. D'accord, soyez franc. La meilleure façon de manifester les choses et de rester dans la positivité au niveau du karma, c'est d'être totalement clean, franc et vrai. Parce que quand vous commencez à cacher des choses, vous êtes obligé de mentir et plus on ment, plus on est obligé de créer des mensonges et des mensonges. Et après, vous vous en sortez pas. C'est pour ça que le mieux, c'est toujours rester franc et de dire la vérité. Comme ça, on n'a pas besoin de se rappeler des mensonges qu'on a créés parce qu'on finira par les oublier. D'accord, ben les lions, ben je suis contente de la rébellion, d'accord, restez clean quand même et pur et franc, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 11 au 17. Attendez-vous à des réponses pour ceux qui n'ont pas encore eu certaines réponses, mais ça va être une période de rébellion, d'accord, dans le sens où vous allez être dans votre énergie où on vous marche pas sur les pieds et vous faites comprendre à ces personnes ou cette personne que c'est pas comme ça que ça se passe, ok, donc c'est très bien. Je vous souhaite donc une bonne semaine, une bonne pleine lune et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!
N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pluie de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pluie de déblocage est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement, c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sur votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop, une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord ? Même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre pas sur la peau, parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur, ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur, qui vous permet d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur, qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire, tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien, mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément, qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus, et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après. Mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction, elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire, qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc regardez si ça vous intéresse et si ça c'est quelque chose que vous souhaitez, une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple, c'est assez intime aussi. Donc à vous de voir lequel vous convient. Chaque bocal a un type de plante spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisies pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisies pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil. Des plantes et des huiles qui sont choisies pour l'amour. Alors le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez, mais ce ne sera pas fait de façon agressive, ce sera fait de façon positive et sereine. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je préviens. Donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse. Dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur, donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités négatives faste de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement, votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc dans les quatre coins de votre appartement, d'accord, pas dans les quatre pièces, à part si vous le souhaitez. Vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr, vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences et des influences négatives et perverses. Donc, excusez-moi. Donc tout ça est disponible sur le site internet. À vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver, mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc à vous de faire votre choix.
Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba, faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur autel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment, elles sont disponibles, je crois qu'il y en a 3 ou 5. À vous de voir si ça vous intéresse. Et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà.